the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he dégaine his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. D'après nos renseignements, Miss Kate Morton aurait été enlevée par Lou Cinglé, chef des têtes fêlées, et emmenée quelque part dans le Rio Bolo Bolo. Mais que faisait cette jeune femme, seule, en plein désert? Elle se rendait à Fort Beau, rejoindre son père, le colonel Morton, qu'elle souhaitait connaître. Elle a été élevée par sa mère, voyez-vous. Or, il semblerait qu'elle ait eu un léger différend avec les membres de la caravane qui l'accompagnaient, et qu'elle soit partie seule de son côté. Quel différend? Je l'ignore. Mais avez-vous entendu parler du colonel Morton, Lucky Luke? Si elle a hérité son caractère, toute la caravane devait être soulagée de son départ. Ouais. Vous voulez que je me rende chez les têtes fêlées pour récupérer la demoiselle, c'est ça? Pas exactement. Voyez-vous, mon cher Luc, quand le colonel a appris que sa fille était aux mains des Indiens, il a décidé de constituer un détachement de volontaires pour partir à la recherche de celle-ci. Hein? Un détachement militaire en plein territoire des têtes fêlées? Mais c'est de la folie! C'est la raison pour laquelle il n'a trouvé aucun volontaire. Mais c'est un ami du président Grant. Aussi a-t-il obtenu de celui-ci l'autorisation de constituer son détachement de détenus, purgeant une longue peine de prison. Et il a fini par trouver ses volontaires? Oui. 4. Bande de clampins! Nous partons pour le rayon Bolo Bolo dans 2 jours! J'ai 2 jours pour faire de 4 misérables larves immondes des soldats dignes de ce nom! Et je vous prie de croire qu'avec moi, vous allez filer doux! On filera tout court. Tentative de désertion durant la mission, je vous brûle la cervelle! C'est clair, t'as de plus! Si par contre la mission est un succès, je m'engage à ce que votre peine soit divisée par 2. Joe, ça fait combien 4756 ans divisé par 2? Un commentaire, soldat! Oui? Quand c'est qu'on mange? Dans l'armée, on crapahute avant le radar! Au pas de course! 1, 2, 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe la torse, on inspire, on expire! Vous avez signé, les gars! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Un problème, soldat? Ce sac fait bien 50 kilos et moi j'en fais 30. Ce serait plutôt au sac de me porter! Quand les jambes ne suffisent plus, tire aux fesses, on cède de ses bras! Sans pompe! 17, 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90! Si c'est ça le ratat, ben c'est raté! Je me demande si je préfère pas les pompes. Et 100! Oh. Y'a du rab! Fin de la pause! Vous êtes pas ici pour vous goberger! Exercice de maniement d'armes! On va vous distribuer des fusils! Dès qu'on a les flingues, on le flingue et on se tire! Mais ils sont en bois? Vous aurez des vrais fusils lorsque nous attaquerons les têtes fêlées. Pas avant! Arme au pied! Ah, on fait les malins! Bah, c'est vous qui avez dit... Sans pompe! Oh, Kate, tu as dû devenir une belle et douce jeune fille depuis le temps. C'est mou, tout ça, c'est mou! 57, 58, 59, du nerf! Tiens bon, OK, tiens bon, mon bébé. Papa arrive pour te tirer des sales pattes de ces sauvages. Ours, as-tu pu? Que signifie cette intrusion?
Tous les braves ont délégué Ours à Lipeu afin de formuler à Lou Cinglé, notre chef, une plainte concernant... la femme blanche. Attention à ce que Ours à Lipeu va dire dans la future squaw de Lou Cinglé. Elle met des drôles d'idées dans la tête de nos squaws, oh Lou Cinglé, notre chef. De drôles d'idées ? Quelle drôle d'idée ? Ben, nos squaws ne veulent plus nous préparer le pemmican, laver nos tuniques et se lever la nuit pour changer les papouses. La place des braves est à la chasse, celle des squaws au tipi. Lou Cinglé a parlé. Qui va à la chasse perd sa place. Y'a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui se tapent les corvées du ménage. Hug! Lou Cinglé ne tolère pas que celle qui va partager son tipi lui parle sur ce ton devant ses braves. Eh ben, il va falloir que Lou Cinglé s'y fasse! Autrement, il partagera son tipi toute seule! Kate Morton a parlé. Lou Cinglé adore quand sa loutre soyeuse est en colère. 1, 2, 1, 2, du nerf, les filles. 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, plus de 3 heures avant le couvre-feu. On inspire, on expire. Je expire. Au pays d'anciens, au cachet et cailloux, on les portait pas. Cette nuit, quand la brute galonnée dormira, on se cache. J'ai trop cassé pour me casser. Oh, souffle un peu et on y va. Debout! Cette fois, il s'y prend le pied! Grimpe à utage de nuit et que ça saute! On lève les genoux! Faut faire 400 tours avant l'aube! Minimum! Heureusement qu'on est dans la cavalerie, pas dans l'infanterie! Ferme à brûle! On bombe le torse! Bientôt, nous serons amenés à affronter les peaux rouges dans un corps à corps féroce! Aussi, je vais vous enseigner quelques rudiments de close combat! Ok, les clampins, frappez-moi! Oui, vous avez bien entendu? Frappez-moi! C'est un ordre! À vos ordres, militaire Morton! Vous avez gagné! Vous avez tout à prendre! Et d'abord, la hargne! Il faut de la hargne pour terrasser un adversaire! Toi, le petit pignouf, viens ici! Allez, pense à quelque chose qui te file vraiment la hargne! Joe, en train de faire le bleu? Moi, ce que je vois, c'est un bleu tout rouge. Je dois être daltonien. C'est bon, ça, excellent. Attaque-moi maintenant. Lui et Lucky Luke, il a l'esprit combatif, c'est déjà ça. Disons qu'il est d'un naturel buté. Fin de l'exercice. Allez leur décoter des uniformes décents. Colonel Morton, Lucky Luke. Le gouverneur m'a dépêché en qualité de scout pour vous aider à retrouver votre fille. J'aurais préféré un régiment et de l'artillerie. Ah, vous connaissez le Rio Bolo Bolo. Et vous avez déjà servi comme scout au 20e. En effet, vous pouvez m'être utile. Je connais aussi les Dalton. Laissez-moi vous dire que vous n'obtiendrez rien d'eux, à part de la bêtise et de la méchanceté. Monsieur, on ne fait pas un bon soldat avec de l'intelligence et de la gentillesse. Contentez-vous de me mener à Lou Cinglé. Première occasion, on descend le Québec, on plombe la ganache et on se tire. Ça doit pas être la bonne taille. Pratique pour le garde-à-vous, Avrel, mais pas pour marcher au pas.
Bon, mettons les choses au point, les Dalton. Je sais que vous avez accepté cette mission dans l'espoir de vous tirer à la première occasion. Nous ? Que vas-tu penser ? Non, nous nous sommes portés volontaires parce que nous sommes sensibles au drame d'un père. Non, ça nous a fendu le cœur. Bah, Joe, tu disais ? Oui, nous ne pouvons pas laisser cette frêle jeune fille aux mains de cruels Indiens, non. Donc, à partir d'aujourd'hui, les guerriers prendront la cuisine en charge un jour sur deux. Oui, ma maison sera radieuse. Et la lessive. Tout ce que tu veux, ma sauterelle sucrée. Le ménage des tipis, l'éducation des papouses. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma lionne superbe et généreuse. La femme blanche rend loup cinglé encore plus cinglé que d'habitude. Il n'est pas question que les braves se laissent marcher sur les mocassins. Oui, on est braves, mais faut pas exagérer. Colonel, une dernière fois, laissez-moi y aller seul. Je suis sûr de pouvoir ramener Kate, saine et sauve. Il suffit, monsieur. Je ne fuirai en aucun cas ma responsabilité de père. Que va penser ma fille si c'est un étranger qui vient la délivrer ? Soldats ! C'est maintenant que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre ! Accreux ! On n'a pas pris de petit déjeuner ! Toi ! Oui, toi ! Je sens en toi l'âme d'un chef. Je te nomme sergent. Avrel, sergent ? Ça se voit qu'on n'est pas dans le génie. Cavalier, en avant ! Dermite Confuse dit qu'il faut rendre la femme blanche au visage pâle. Ilotte Maniaque n'est pas de cet avis. Elle serait capable de revenir. Ilotte Maniaque envisage-t-il une solution plus radicale ? Loin de moi cette idée, ours a dit peu. Nous pourrions simplement la perdre dans le désert. Je n'ai pas vu grandir Kate. Ce n'était encore qu'une enfant lorsque sa mère l'a emmenée dans l'Est. J'ai pas compris pourquoi elle m'avait quitté, mais elle avait tout pour être heureuse. Une ordonnance me cirait les bottes, elle avait même pas besoin de le faire. Cavalier, stop ! Nous allons bivouaquer ici ! Vous allez me dresser les tentes, creuser un fossé de protection et ériger un mur d'enceinte. Parfait, soldat. Prenez un repos bien mérité. Il vous reste un bon quart d'heure avant que nous levions le camp. Le camp de loups cinglés est de l'autre côté du défilé, colonel. Il sera difficile de s'en approcher sans être repéré. Nous nous camouflerons donc, monsieur. Oui, mais en quoi se camoufler en plein désert, colonel ? À mon signal, on se tire, fais passer ! Au signal de Joe, on se tire, fais passer ! Au signal de Joe, on se tire. Au signal de Joe ? Ah non ! C'est moi le sergent ! On se tire ! Non ! C'est moi qui dois donner le signal ! Laissez, monsieur, cela regarde l'armée. Hop, picoteur ! Monsieur, voilà qui devrait répondre à votre question. Nous nous camouflerons en cactus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, colonel. Monsieur, je vous rappelle que c'est moi qui pense et détermine si une idée est bonne ou non. Mon castor en sucre, le repas est prêt. Je t'ai préparé de bonnes céréales, comme tu les aimes. Ma sarcelle gracieuse, où es-tu? C'est ton loulou cinglé. Ours Adipe n'a pas de chance. C'est toujours lui qui perd à la courte plume. Mon castor en sucre, ma sarcelle gracieuse. J'ai trouvé le passage menant au camp de loups cinglés. Cavalier, en avant! Pour que vos camouflages soient efficaces, colonel, il vaudrait peut-être mieux s'approcher du camp à pied. Monsieur, la cavalerie des États-Unis n'attaque pas à pied. Question de principe. Ah.
pour la rampe, Kate. Massivette fringante, où es-tu? Loup cinglé, notre chef, tu as un message. Depuis quand mes braves m'envoient-ils des messages colorés? Loup cinglé a-t-il oublié que nous sommes un jour impairs? Les braves restent au tipi et les squaws surveillent. Que dit le message? Un visage pâle et 5 cactus à cheval s'approchent du camp. Nous avons été repérés, colonel. Il serait judicieux de vous débarrasser de votre camouflage. Vous allez avoir besoin de vos mains pour tirer. Hein? Que se passe-t-il? Les cactus sont vides, colonel. Pour une fois, c'est bien joué. Demi-tour, vite, à couvert. Génial! Je suis génial! Tu sais par où on est venu, Joe? Par là! On aurait peut-être dû emporter un peu d'eau, Joe! Ouais, au lieu de ce drapeau idiot! Je l'accrocherai au mur de la cellule quand Lucky Luke nous y remettra! Donne ce drapeau et je vais faire de la prochaine imbécile avec la hampe! Calme-toi, Joe! C'est pas le moment de perdre la boussole! Je n'arrive pas à enlever mon camouflage! Mais tirez! Tirez! Qu'est-ce que vous attendez? Désolé, colonel. Ce sont des femmes. J'ai soif, Joe. J'ai des ampoules, Joe. Et moi, j'ai faim, Joe. Courage, on va pas tarder à sortir de ce fichu canyon. Le drapeau! Nous tournons en rond! On devrait peut-être suivre le fil! Le fil? Quel fil? Je ne vois pas votre fille, colonel. Vous aviez raison, monsieur. Ce camouflage n'était pas une bonne idée. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir au bout du fil. Y a rien à ce bout-là, soldat. J'en viens. Oh? Le 11e et demi, le régiment de mon père. Qu'est-ce que mon père a pu faire ici? C'est bien la fille de son père. Alors on a gagné notre remise de peine de 2378 ans. Vous ne m'aviez pas dit que vous possédiez une photo de votre fille? Oui, dans la poche de ma chemise. Mais elle n'est pas très récente, vous savez. Que mes sœurs m'écoutent. Nous ne sommes point venus en ennemis. Nous recherchons seulement la fille de mon frère qui a disparu. Il y a un portrait d'elle dans la poche de sa chemise. Que mes sœurs le regardent et me disent si elles ont vu cette squaw. Mais où est-elle passée? Loup cinglé me fait penser à Hulotte Maniaque quand Renette Velue l'avait quitté pour Caribou Robuste. J'ai pourtant tout fait pour lui faire plaisir. Tout. Allons, Loup cinglé, notre chef. Une de perdue, 10 de retrouvée. Mon frère devrait mieux choisir ses paroles de réconfort. Ma loutre soyeuse. Ours a dit qu'il a du pémican sur le feu. Thermite confuse n'a pas terminé sa lessive. Et Hulotte Maniaque, tu dois changer son papouse. Mon hirondelle en pièce. Quoi? J'ai deux mots à dire sur tes loyaux guerriers. Et d'abord, j'ai du linge sale à laver, moi aussi. En famille. Lucky Luke et la ganache à ma merci. J'ai soif. Fais mal aux pieds, Joe. Et moi, j'ai faim, Joe. Il nous faut des armes. J'ai des fous d'inquiétude, tu sais. Alors, père, paraît que t'es venu pour me délivrer. Kate, mon bébé, tu n'as pas changé. Comment va ta mère? 20 ans sans nouvelles, c'est maintenant que tu me demandes comment va maman? Ma chérie, c'est que j'ai été très pris par mon travail et... C'est ton père, mon colibri gracile.
Lou Cinglé est enchanté de rencontrer son futur beau-papa. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ma fille n'épousera jamais un sauvage! Elle épousera un militaire! Kate, j'exige des explications! Lou Cinglé épousera son écrevisse suave! Et si beau-papa n'est pas d'accord, Lou Cinglé le torturera jusqu'à ce qu'il le soit! Jamais! Jamais! Je ne te donnerai la main de ma fille, espèce! C'est pas ta fille! Tu manges quoi? Ça suffit! Je suis majeur! Ma main est à moi! Et je la donne à qui je veux! Lou Cinglé a des défauts, mais lui au moins il ne rendra pas sa femme complètement sourde en lui hurlant dans les oreilles pour savoir ce qu'il y a à manger ce soir! Moi, je hurle! Je hurle, moi! Parfaitement, tu hurles! Voyons, Kate! Tu ne vas pas! Je suis ton père! Voilà, j'ai été ravi de te revoir au moins une fois, papa. Je sais maintenant que maman avait raison. Il est temps que tu reprennes tes hommes et que tu t'en ailles. Je t'enverrai un faire-part. Ces hommes? Quels hommes? Ben, les quatre abrutis que j'ai rencontrés dans le désert. Tiens, où sont-ils passés? Ici! Ah, que personne ne bouge! Allez, Jack! William! Avril! On les... Bon... Surprise! Kate Morton épousa Lou Cinglé. Avec son mari, elle fonda le mouvement des suffragettes et parcourut inlassablement les États-Unis pour défendre avec vigueur le droit des femmes et des Indiens. Après le passage de Kate Morton, les têtes fêlées ne furent plus tout à fait des guerriers comme les autres. Le colonel Morton, lui aussi, conserva quelques traces de sa rencontre avec sa fille. Garde à vous, s'il vous plaît. Quant aux Dalton... Mais les Dalton seront toujours les Dalton. I'm a bold, lonesome cowboy.